Grinnell, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Alors, il y a Fred ou pas? Ben oui, je suis là, ouais. Ouais, il est là. Excuse-moi, désolé, je ne reposerai plus la question. En fait, moi, on m'a proposé une convention en Nouvelle-Calédonie, c'est super, mais c'est vraiment un truc où j'ai pas envie d'aller parce que je sais que c'est à côté de l'Australie et je sais qu'il y a des bestioles de ouf en fait. Tu te réveilles, t'as un scolopendre autour du chibre qui fait tout le. Non, les gars, c'est pas possible. Déjà, le truc, c'est que tu te réveilles pas, t'es mort. Ouais, mais tu sais, l'Australie, c'est un peu le hardcore mode, tu sais. Le mode prestige. Ouais, c'est ça. Si le monde, c'est un jeu vidéo, ouais, l'Australie, c'est le New Game Plus. Franchement, on propose The Forest ou l'Australie, je prends The Forest sans aucun problème. Hein. Salut Trixie. Ça va quoi, les copains? Ça va. Bah on a quitté la jungle, c'est bon, on a plus besoin de toi. On a fini le jeu. Les gens qui mangent là les gigavers à Koh Lanta, je ne sais pas comment ils font pour les avaler vraiment. Bah ils ont rien bouffé depuis une semaine, je pense que tu vois les choses différemment quand t'as faim, tu vois. En plus, l'astico gigabalaise, on dirait qu'il rentre de la salle le bordel, tu fais un croc dedans, t'as un jet jaunâtre. Non mais est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît 5 minutes parce que vraiment hein, ce jet est impressionnant hein. Qui fait le parti là en fait? C'est moi. Attends, je suis en chargement toujours hein. T'es un jeu c'est un jeu un petit peu. Ouais, je te jure. Bon, on est même pas dans la jungle que je suis déjà sous l'angoisse et tout. Les gars. Il est derrière une fougère. Il va bah alors Quentin, t'as pas lancé. Moi je sais que dans Green Hell. Ah d'ailleurs, très bonne question de moi-même. Est-ce que c'est procédural? Non, y a aucune chance que ce soit procédural. C'était pour mettre la pression. Oh, on peut regarder sa montre. Trop bien. Ouais, alors attention parce qu'il y a si ma mémoire est bonne, c'était il y a 2 ans quand j'ai joué, mais je crois qu'il y avait un système de vitamines ou quoi. Et donc c'est par exemple, il va falloir manger régulièrement de la viande, mais aussi des fibres, des. Bah, je crois que ta mémoire est bonne. Hein. Il y a eau, ADN. Et quelqu'un a ramené des poches de sang, les gars, au cas où. Ok, donc environnement, on augmente le son, hein. Ouais, vas-y. Hop, on peut ramasser des trucs pendant ce temps-là. Ouais, j'ai pris 2-3 lianes. Vas-y. Ah, ça y est, elle est là. Ce qu'il faudrait faire pour commencer, ça serait trouver un endroit sympa où installer notre camp de base. Si possible près d'un point d'eau, comme ça on aura accès à de l'eau. Noix de coco de l'eau, pas trop loin. J'y vais, noix de coco. Alors noix de coco c'est bien, faut pas trop. Je sais plus si tu peux en manger beaucoup, sinon ça te file de la chiasse. D'où la même qui mange des noix de coco fait confiance à son anu. Hein. T'as l'histoire. Vous pensez que je peux sauter ici? Bien sûr. Alors, en vrai, largement. Vas-y. Last word. Vas-y toi. Mais non, il l'a fait juste avant, il l'a fait. J'ai fait juste avant. Non, mais alors ça va, vous pouvez le faire. T'as mal? Non, il a perdu un peu de vie. On fait le tour, on arrive. Non. Venez, on va longer par là. Quand j'ai une noix de coco dans la main, je peux pas avoir autre chose? Oh, si, tu peux avoir, bien sûr, des abricots. Une grosse noix de coco. Attendez, attention, il y a un serpent. S'il vous plaît. Quoi? L'acuité visuelle est basée sur le mouvement, j'ai un champignon inconnu. Bien joué. Mange-le. Ah, j'ai une noix inconnue, je prends. Alors attention, il y a un serpent quelque part par là, faites gaffe. Tu peux pas le tuer? Mets-lui un coup de pied. Non, mais en fait, j'ai entendu qu'il y avait un serpent, donc faut faire attention. La Suicide Squad est OP normalement. À quel moment tu mets un coup de pied à un serpent, frérot, pour survivre dans la jungle? Je ne sais pas. Oh, Trixie, viens! Ouais, non! Ouais, elles sont énormes! Ah ouais, elles sont balèzes! Attends. Oh mon dieu, mais c'est Koh Lanta en fait! Sauf qu'il n'y a pas les caméras qui nous montrent où sont les totems et toutes ces conneries là. Attention où vous marchez, s'il n'y a pas de serpent ou par terre ou. Quand vous avez une petite loupe en bas à gauche, ça veut dire que vous avez que vous êtes blessé quelque part ou que vous avez quelque chose qui va pas. C'est juste, il faut que je. Ah bah, il y a quelque chose qui va pas alors. Ah ouais, on s'est pété la jambe quand on est tombé. Alors attends, faut juste que je me souvienne comment on regarde son corps. Il y a un bouton pour inspecter le corps, mais j'ai oublié ce que c'est. Reste appuyé sur C, on peut dormir à même le sol et il y a un carnet. Peut-être le carnet, non? Par exemple, là je vois que je me suis fait mal à la jambe, donc ça veut dire qu'il faudrait que je. Il soigne ça, sinon ça risque de s'infecter. Oh! Mais arrête! Alors, il me touche le boule! Attendez, mais par contre, comment on se soigne nos bobos? Bah, il faut. Alors là, t'es blessé quelque part, c'est ça? T'as du sang? Ouais, j'ai du sang. Ici, tu vois bien qu'on n'est pas dans une pharmacie ici, voyons. Je vois que vous avez. on est tous blessés en fait. Oh, une liane de banni! Incroyable! Je prends. Attendez, je crois qu'il y a de l'eau là-bas, non? On entend de l'eau. Ah, faut... Oui. Attention au serpent encore une fois parce que ça. S'il vous pique, après il faut un truc pour vous soigner et c'est chiant. Oh bah Trixie, elle va bien sucer la plaie. Trixie. Moi en tout cas, les gars, serpent. Et si vous me faites mordre, je vous suce volontiers, hein, les gars. Hein. C'est pour sauver la vie d'un ami donc. Je me suis fait mordre deux fois. Ah oh Fred, tu t'es fait mordre, j'espère. Non, mais je me suis pas fait mordre. Ah mince. T'es sûr? Je vois un peu de sang là. Attendez, vous êtes fait mordre par des serpents, sérieusement? Non, je peux te mordre. Il avait juste très envie de te sucer le mollet. Il faut qu'on s'entraîne. Qu'on s'entraîne en cas de. Tu vois, c'est la survie, hein. Ouais, les gars. Okay, venez, si quelqu'un vous touche le cul quand vous dormez, c'est sûr, c'est B-Boy, hein, je vous le dis. Qui n'a pas sucé un pote en soirée? Un nid d'oiseau? Pardon. On passera pas la première nuit, déjà. Bah, je l'ai volé. Oh non. Oh là, attention, il y a des gros singes. Donc, les attaquez pas. Il y a des babouins? Mais non, mais c'est une eau dangereuse, mais Trixie. Mais c'est pas possible, mais pourquoi tu fais ça? Mais j'avais soif. Mais il y a écrit eau dangereuse et toi, tu bois, cousine. Mais il y avait écrit ça où? Les gars, dans 10 minutes, elle est morte. Quentin, il y a son gars à droite. Bah, tiens, envoyez Trixie là. Eh, va voir le mammouth.
doute là-haut. Ne buvez pas l'eau croupie. Tu mets ta souris dessus, il écrit eau dangereuse et bois trois fois de suite. Attends, il y a des guêpes là, non? Ouais, il y a des guêpes. Non, alors ça, par contre, ça c'est mentise. Hein. Je préfère me battre avec un cheval vivant qu'avec une guêpe. Ah, il y a un camp en bas qui peut être pas mal. Ah, bah bien, on le vole. Le truc, c'est comment on descend là-bas. Eh, j'ai une idée. Ah, on s'installe en bas, on crée des gouttières et tout, et on fait de la drogue. Et la jungle est à nous. On peut pas descendre à droite. Faut trouver un chemin pour descendre. Sûrement par les montagnes, non? Par la gauche là? Non, mais attends, faut aller sur la gauche parce qu'il y a un camp. Y a pas un ascenseur ici. Ah, tu tombes, t'es mort. Hein. Par contre, ça je reconnais. Quoi, hein. Oh, une noix de coco. Vas-y, venez par là. Sarah, chiche, tu cours. Ok, regarde. Non, venez voir parce que ça m'aide beaucoup. Venez voir, s'il vous plaît. Venez voir. Tu cours et tu sautes au milieu. Non, putain. Mais quoi? Non, les gars, non, mais vous l'avez vu, elle a été à côté tout le long. Non, mais là, c'est pas possible. Bon bah on peut y aller les gars, allez. Parce que là t'es morte, là on peut même pas te récupérer. Bah écoutez, on relance une partie. Oh ah non, vraiment. Alors, ah oui, parce que, je vous ai pas dit, mais il y a pas de... C'est mort unique, t'es mort. Mais non, mais ça fait le non mais attendez, elle a louché, c'est pas possible. Non mais vous avez vu, elle a même pas mis un pied sur la bûche. Oui, moi je l'ai vu à 2 cm à gauche. Bah allez, vas-y, relance une partie. Bah. Maintenant vous connaissez le jeu, voilà, on va dire que c'était pour découvrir. Trixie, elle fait pas d'efforts en vrai. Vraiment Trixie, faut que tu m'expliques comment t'as fait pour ne pas faire un pas sur la bûche en vrai. Mais en fait, j'avais un caillou et j'ai trébuché en fait. Mais personne t'a fait de croche-pattes, je comprends pas, t'étais toute seule. Oui, mais pour moi j'étais dessus, mais j'étais pas dessus, tu vois. Oh, c'est dommage, on avait trouvé un petit camp en bas. Ouais, on était bien, elle a tout gâché, honnêtement elle a tout gâché. Hop là. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce passage. Oh putain, je suis encore perdu, ça fait deux fois. Ça fait deux fois ce mois-ci que je suis perdu en forêt. Ah bonjour, encore vous monsieur. Bah, bonsoir, vous êtes perdu monsieur. Ouais bah ça fait deux fois cette année, j'en peux plus. En même temps, 7€ le vol d'avion, je savais que c'était une arnaque. Ok, c'est parti. Ok, alors. on suit. Alors regardez, il y a une rivière. Oh bah. C'est pas mal ça. Ah mais tu commences direct à côté d'une rivière. Mais tu vois Fred, c'est procédural. La map est très grande et on doit commencer à des endroits au hasard, je pense. Okay, alors il y a pas vraiment de... pas que le jeu soit procédural. Alors attention, c'est de l'eau sale. Ok, Trixie, tu bois un peu pour goûter, tu nous dis. Ok, alors ici c'est pas trop mal, il y a une rivière. Les gars. Ouais, il y a un truc qui est pas cher là, non? Non, il y a la mère à Quentin dans les buissons. Attends, ça met les darons alors qu'on est tous perdus dans la jungle là. Ouais. Vas-y, 1v1 dans l'eau boueuse là. Ouf, je suis déjà tout nu. Hein. En fait, c'est pas où on était tout à l'heure, et sauf que nous on était en hauteur tout à l'heure, non? Non, je crois pas, je sais pas. Trixie, tiens, regarde un parcours pour débutants avec les petites planches là, vas-y, essaye. Allez, va jusqu'au bout, tout doucement. Je suis derrière toi, je sais qui. Voilà, doucement. Mais attends, y'a pas d'indigène, y'a rien là? C'est justement un camp de guerrieros. Y'a des pierres! Mais non, par contre, y'a pas d'indigène, mais y'a des flèches plantées partout. Oh, j'ai une machette! Donc, première arme! Alors y'a de la cocaïne dans le micro-ondes! Ouais, c'est vrai? Ah ouais? Non mais c'est pour ça que c'est un truc de dealer, je vous le dis! Venez, on fait un breaking très très bad! Faut que je sais où on est. T'as pas le con, hein? Comment il a trouvé une carte lui? Ah bah oui, moi aussi j'ai une carte, dis donc. Trouver un perroquet mort, ça peut être utile pour manger ou pas? Prends-le, tu peux le plumer. À mon avis, faudrait, vu qu'on a le seul truc qu'on a, c'est le A2. Faudrait qu'on essaye de se rendre vers le A2, mais on peut établir un camp ici, déjà, pour être safe, si vous voulez. Parce qu'il y a deux lois à côté. Les gars, je vous le dis, j'ai une machette rouillée, donc ça, c'est tétanos assuré. Et moi, j'ai trouvé des médicaments. Vas-y. Ah, mais c'est une plantation, c'est quoi? C'est une plantation de marijuana? Oui, ça, c'est de la cocaïne, ça, je reconnais. Hein. Ok, alors moi, je vous propose... On va établir le camp dans le camp qui est déjà établi là. Comme ça, on va construire un lit ici. Comme ça, on pourra respawn ici ou ce genre de choses. D'accord. Il y a des lits. Ah, c'est parfait, il y a des matelas. Oh bah putain, il y en a un chacun. Ils ont tout calculé. Et Cimer, hein. Moi, je dors, je vous attends. Ah ouais, mais ouais, tu t'endors vachement vite. Attends. Alors, quand vous ouvrez avec tab votre inventaire, vous voyez tout ce qu'il y a dans votre inventaire. Là, ce qu'il nous faudrait déjà pour commencer, c'est trouver de la nourriture et de la flotte. Attendez, s'il vous plaît, on est où sur la carte? Je pense qu'on est le baril en bas à gauche, tu le vois? Ah ouais, moi j'aurais dit A2. Non, je pense pas. Alors dans ce jeu, pour se repérer, tu ouvres ta carte et tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Si tu vois qu'il y a une colline, bah c'est là. S'il y a de l'eau... Je pense que c'est là où il y a le baril, effectivement, parce qu'il y a la petite colline. Ah oui, le petit marécage. Ouais. On peut prendre de la boue et on peut se laver. Alors ne te lave pas dans la boue. Ouais, mais laissez-la. Non mais je découvre, je teste des trucs. Ouais, mais tu sais que tester, c'est mourir, comme on dit nulle part. Allez, ce que je vous propose, c'est vous pouvez vous disperser un petit peu et ramasser des bâtons, des pierres, machin. Etc. Je suis en face d'un serpent à sonnette. Ne t'avance pas. Surtout, ne t'avance pas. Bonjour monsieur, je viens juste prendre vos petits champignons. Je vais remonter. Franchement, mets-lui un coup de poing. Non, un iguane, ça va rien me faire. Il est gentil, ça. Ooh. Une iguane, c'est sympa, ouais. Ça vit 12 ans, une iguane, je crois. Bah, bien chaud, chaud au camp. Incroyable, je viens de trouver une dinguerie là. J'ai trouvé, écoutez bien, une espèce très rare, un pécari mort. Ça se mange. Bah, bien sûr. Attends, il faut l'expert. Fred, wow. C'est quoi cette musique de tribu Attends, quoi? Mais il y a une musique de tribu. Sérieux? Oui, qui vient de se lancer chez moi. Ça veut dire qu'il y a des sauvages pas très loin. Replie-toi vite. Bah oui. Ok.
Et ils arrivent, hein. Je suis juste ici, hein, regardez, hein. Et tiens, t'entends la musique? Attends, voyons. Oh non, je crois que c'est Jumanji qui m'appelle.